nouvelle vidéo Diamond Painting. C'est un unboxing et c'est une toile qui vient de la boutique. Alors, la société de la personne s'appelle CNG Next Commerce Group, mais son site c'est Happy013. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, je vous ai posté une pub et je vais vous présenter la toile. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que tous les liens seront sur l'écran normalement, puisque monsieur l'a rajouté, et sera en barre d'infos. Désolé. Et donc, comme code promo, Flora. Et ça vous donne à moins 15% des 3 articles achetés. Donc, je ferai une vidéo où je filme mon PC pour vous présenter la boutique de A à Z. Et franchement, moi, j'ai regardé. Et franchement, ils sont top. Et les prix ne sont pas beaucoup plus excessifs que d'autres sites. Donc, voilà, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors, comment je l'ai connu? Une pub sur Facebook. C'est la première fois que je voyais la pub. J'ai tenté ma chance, j'ai expliqué que je faisais des vidéos YouTube et que je serais intéressée pour tester ces toiles. Donc voilà, il connaissait pas, donc il m'a dit comment qu'on fait et tout ça, donc je lui ai expliqué. Il m'a dit que si cette vidéo marche bien, s'il y a des ventes, j'aurai de nouveau des partenariats avec lui. Si ça marche pas, ce qui est logique, il ne refera pas de collab avec moi, voilà. Donc il me l'a envoyé... Alors, il me l'a envoyé quand? Parce qu'en fait, il a des kits chez lui. Il avait des kits chez lui. Et sinon, si vous commandez en temps normal, il y a à peu près 15 jours d'attente. Maintenant, comme AliExpress et tout ça. Donc, mercredi. Mercredi, on a parlé ensemble. Jeudi, il me l'a envoyé. On est samedi 13 et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, donc il a des kits chez lui. Donc là, il avait 5 kits chez lui. Il me dit, je vous fais une photo des kits que j'ai. Donc du coup, il m'a même fait une petite vidéo. Et vous choisissez le kit que vous voulez et je vous l'envoie. Donc, alors super sympa, il me l'a enveloppé. Mais du coup, la poste ne prenne soin de rien. Donc tout a été arraché. C'est une grosse boîte. Alors vous entendez peut-être un bruit de fond, hein, des bibi, des bougies comme ça, c'est l'imprimante 3D qui est en train de tourner. Il nous a renvoyé encore du frigo. Donc il m'a dit que même la prochaine fois, si ça marche bien, je pourrais choisir directement sur le site un kit et il me le fera venir directement là-bas. Et moi qui suis geek, il a plein de toiles Mario que j'ai pas et du coup je serais contente de les tester. Donc voilà, le kit, c'est celui-là. Donc là, vous avez, alors là sur cette tranche-là, puisqu'on y est, donc vous avez l'image, vous avez les instructions, vous avez ce que contient le kit. Sur celle-là, Mortang 30 000, je sais pas, Shiny, je sais pas. Alors la boutique, alors moi là elle m'a envoyé des Diamond Painting et normalement il y a un autre cadeau à l'intérieur et c'est la 40x60 et il fait pas que ça, il fait aussi les coussins avec les laines. Alors je suis désolée, je commence à avoir mal à la gorge. Les coussins avec les laines à passer, il fait des tableaux, alors comme le Diamond Painting. Sauf que c'est des pierres de rocaille. Alors, en ce moment, c'est la grosse pub qu'on voit partout. Je suis désolée. C'est la pub qu'on voit partout en ce moment, les porte-clés que vous faites avec les pierres de rocaille. Et bien, lui, carrément, il a ces images-là que vous faites carrément en pierre, que en pierre de rocaille. Et ça, franchement, il va falloir que je voie avec lui la prochaine fois si je peux avoir quelque chose. Il y a ça, il fait plein de choses et à tarif très bon tarif. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc on va déballer. Alors comment je vais me mettre pour déballer? Je vais vous glisser sur la table pour l'instant. Alors j'en profite pour tourner dans mon salon parce que j'ai un gros soleil. Sur ma table où je fais du DP. Oups! Le caméscope qui se barre. Alors ça c'est pareil, il va falloir que je voie
je pense que je vais réinvestir dans un autre caméscope et dans un autre trépied parce que celui-là, il commence à me lâcher. Donc, on a la toile. Et on a l'autre petite surprise que je vais garder pour après. Donc, ça, c'est une toile coulée. Donc, ça, c'est déjà top. Oh, la pression est... Mais la pression est top. Franchement, j'ai déjà regardé pour un Mario en 40 par 60, je crois. Je crois que ça avoisine... je sais plus. J'aurais pu vous dire. J'ai peur de vous dire une bêtise. Mais de toute façon, je vous ferai un tour sur le site pour vous montrer. Alors, c'est du plastique. Là, il y a marqué la dimension. Alors, regarde, vous n'allez pas voir comme il faut. De toute façon, après, je vais vous faire une vidéo où je vous le présente mieux. Dans la même vidéo, en fait, je vais recouper. Donc, c'est à 42 par 62. Je vous dirai après à quoi ça me fait penser. À quoi ça me fait penser. Donc là, hop, il aurait fallu que je sois plus haute pour vous montrer. Mais déjà, là, vous avez un aperçu. Donc là, colle super bien. Je vais vous montrer là dans le coin. Hop. Ça colle assez bien, mais c'est de la colle coulée, donc rien à dire. Franchement, comment je vais... Je vais vous montrer tout de suite après. Là. Déjà, monsieur va vous écrire la photo à ce moment-là de la toile, de ce que c'est comme dessin. Et de toute façon, après, je vais mettre le trépied plus haut pour vous montrer exactement bien la toile. Faut que je fasse ça bien, quand même, pour que vous ayez envie d'aller acheter chez ce monsieur. Parce que je pense que c'est un monsieur qui est derrière ça. Donc voilà. À l'intérieur, on a la feuille de route. Donc là, il y a des explications. Ah, c'est du bleu pâle. C'est écrit en français. Non, français. Non, il y a marqué en... Ouais, là. Il y a toutes les langues. Hein. Français, il est là. Donc là, bleu d'un clair, bleu d'un foncé, noir, gris, vert. Donc apparemment, c'est que des lettres de l'alphabet, ce qui peut être top. Au moins, c'est pas trop casse-pied. Apparemment, c'est que ça. D'ailleurs, je suis en train de penser. Ouais. Il n'y a pas de... Sur la toile, on n'a pas de feuille de route. Donc apparemment, il va falloir que je me fie à ça. C'est ça, ma feuille de route, apparemment. D'habitude, sur les côtés, vous avez la DMC, vous avez tout ça. Mais là, non. Donc là, vous avez les conseils et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Dommage. Petit dommage que ça ne s'est pas dessus. Mais voilà. Alors, le kit tool. On va dézoomer. Le kit tool, bah, super classique. Hein, pour commencer, quand vous êtes débutante, c'est génial. Quand vous avez déjà fait quelques toiles, vous savez déjà ce que c'est. Et puis, vous en investissez en principe dans d'autres matériels. Donc, matériaux, excusez-moi. Donc, le stylet classique, deux petits pains de colle, la barquette. Donc, ça, c'est plutôt génial. Et alors là, je vais vous présenter les pierres. Donc, pour les pierres, je vais vous remettre face à moi. Ça sera beaucoup mieux. On va profiter du rayon du soleil. Voilà. Désolée, je règle la caméra. Voilà. Donc, pour les pierres, elles sont en ribandelle comme ça. Je vais... Désolée. Je vais ouvrir pour vous... Je vais ouvrir pour vous présenter les sachets. Donc, c'est bien ça. C'est que des lettres. Donc là, on a un dégradé de bleu. Ça, c'est un dégradé de bleu. On a l'air d'avoir du noir. Des verts. Les sachets sont bien remplis. Ils sont bien solides. Franchement, ça a l'air d'être top. Et du blanc.
Bon, du coup, il n'y a pas de DMC. Donc, ça veut dire que bah, si des fois, il venait en manquer, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant, ça, mais ça va. Moi, ce que je pense du kit, il a l'air génial. Alors, ma petite impression, j'ai l'impression que c'est un peu des produits... Alors, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Le partenariat, voilà. La personne du partenariat, quand tu passeras par là, parce que du coup, je sais pas ton nom. Parce que moi, je te connais que sous le nom de ta société. Voilà. Alors, ne le prends pas mal. Moi, j'ai l'impression d'avoir un kit Action. J'ai déjà eu des kits de chez Action. Et c'est un peu le pareil. Mais franchement, au niveau qualité... La toile est bien épaisse, je vais vous montrer après. Elle est bien imprimée, les couleurs sont super vives. Moi, je trouve ça top, top. Le petit bémol, il n'y a pas la feuille de route sur le côté du DP. Mais voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, je vais couper 2 secondes et je vous mets en vue bien sur la toile. Comme ça, je vous la montre entièrement. Et comme ça, on est bon. Et du coup, vous aurez toutes les informations. Ben, Flora 15 pour avoir... la réduction au bout de 3 articles achetés, mais j'allais oublier le petit cadeau. Donc je vais faire d'abord le petit cadeau et après je vous mets sur la toile et je vous montre. Et le petit cadeau, alors par contre j'espère qu'il manque rien. J'espère qu'il manque rien parce que le kit il est grand ouvert comme ça. Et du coup j'espère qu'il ne manque rien. Alors on va décaler ça. Et alors c'est un kit... Alors, j'ai plié 2 secondes pour vous montrer. C'est un kit pour faire les porte-clés. Donc, vous avez plusieurs modèles. Mais là, logiquement, c'est ce modèle-là qu'il m'a envoyé. Parce que, pareil, il ne restait plus que ce modèle-là qu'il avait directement chez lui. Et comme il ne voulait pas me faire attendre, ce qui est super sympa de sa part. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour ce partenariat. Je le remercie beaucoup pour ce partenariat. Désolée, j'ai voulu aller trop vite. Et j'espère que vous allez aller lui acheter plein de petites choses et que je pourrai retravailler avec lui rapidement. Voilà. Donc, on a de la bourre. Parce qu'une fois que vous avez fait votre porte-clés, enfin, c'est 2 toiles. Un peu comme du canevas, pour ceux qui connaissent. C'est 2 toiles. Et en fait, vous faites comme du canevas du point de croix. Et sauf que vous insérez des perles en même temps. Et à l'intérieur, il faut mettre de la bourre. Donc, je pense qu'il y a largement ce qu'il faut en bourre. Donc ça, c'est le petit fascicule. Donc sur le petit fascicule, vous avez votre grille. Et ça, j'ai même envie de vous dire, si vous avez des toiles vierges et des restes de pierre, et ben ça, vous pouvez les reproduire. Parce qu'il suffit de faire du point compté et vous allez arriver à les refaire. Ça peut être une bonne idée. Donc là, vous avez les explications. Cela, moi, j'en ai vu. Alors, j'ai commandé, moi, un kit licorne qui est toujours pas arrivé. Ça fait plus d'un mois. Sur AliExpress. Et sur AliExpress, j'ai vu le Mario et le champignon de Mario. Je voudrais me les commander, mais je voulais d'abord tester parce que c'est 5 euros, un peu plus de 5 euros. Lui, il les a pas sur son site. C'est bien dommage, sinon je lui aurais commandé à lui. C'est un peu plus de 5 euros le porte-clés, donc ça m'embête un peu. Donc lui, sur son site, je sais pas combien qu'il les vend. Donc là, on a... Ah oui, je voyais ça un peu plus grand quand même. Donc là, on a la toile. Donc, vous voyez, recouvrez avec les perles selon le modèle qui est là. Alors ça, j'essaierai peut-être de vous le faire en vidéo, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Des deux côtés. Et après, il me semble que vous assemblez les deux côtés comme ça. Vous commencez à coudre tout le long. Et une fois que vous êtes presque arrivé à la fin, vous bourrez le porte-clés avec la bourre. Et après, vous découpez tout le tour. Et du coup, ça vous fait un porte-clés. Voilà. Donc là, on a les cotons. Donc les cotons, justement, pour pouvoir passer les perles. Le fil transparent pour coudre à la fin. Je pense que ça doit être ça. Je suis pas encore expérimentée dans ce domaine-là. Hein. Ça va être un premier test pour moi. Les petites pierres. Alors là, pour le coup, c'est des perles. Hein. Des perles de rocaille jaune. Je vais zoomer vers moi, comme ça. Des perles de rocaille jaune. Des perles de rocaille rose. Il y a le paquet en rose. Hein.
paire d'ocailles bleues. Je pense qu'on peut en perdre quelques-unes qui ne va pas nous en manquer. Et des blancs nacrés comme ça. Et on a des aiguilles et le porte-clés. Donc le kit est totalement complet. Et il y a de quoi, si vous achetez un kit, vous avez de quoi directement faire tout votre porte-clés. Il faut juste que je regarde quelques vidéos sur internet. Que je regarde le modèle qu'ils disent là. Donc bah, le porte-clés, s'il est bien fait, peut-être que je vous le ferai gagner. Parce que moi, sincèrement, c'est pas spécialement le modèle que j'aurais voulu. Donc pourquoi pas. Allez, on va se dire que si je le fais bien, je le ferai gagner sur Instagram. Parce qu'apparemment, alors s'il y en a qui sont au courant, qui peuvent me dire apparemment nous n'avons plus le droit de faire de concours sur YouTube, ça faisait un certain moment qu'ils en parlaient, mais apparemment maintenant ils menacent les personnes qui font des concours sur YouTube, des concours sur YouTube. Je vais toujours parler trop vite et c'est vrai que c'est casse-pied de supprimer les chaînes YouTube. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des infos? Moi j'en ai pas. Donc du coup maintenant les concours seront sur Insta. Sur Insta ou pas mon Facebook. Il faudrait que je crée un Facebook spécial pour ma chaîne YouTube. Voilà, donc là, la ribambelle. Donc, au mois de mars, je pense que le défi de mars sera, pour ma part, puisque tous les mois, maintenant, je fais un défi perso. Donc là, le défi de février, c'était ma toile geek avec mes youtubeurs, avec vous, mes abonnés plutôt, c'est ça que je voulais dire. Avec mes abonnés, plus une toile mystère, plus la toile de Maïline et de Valentin qui était à finir. Valentin est terminé. La toile mystère, je vais la finir dimanche soir, au plus tard, puisque pour la Saint-Valentin, vu que c'est Mario et Peach. Alors j'ai bien avancé, je vais vous la montrer. Hop. Mario et Peach qui sont en train de s'embrasser, donc je vais la finir. Et du coup, les autres seront terminés aussi avant le mois de mars. Donc en mars, je pense entamer cette toile-là pour la faire en vidéo. Et à chaque vidéo, y aura tous les liens qui seront marqués. Pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse ou pas. Comment que vous pensez, quoi. Mais elle est trop belle. Donc les chevaux, c'est pas ma spécialité. C'est pas le truc que j'adore. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien les chevaux. Mais c'est pas le truc spécialement que j'aurais aimé. Donc il m'a présenté, pour vous dire, des dauphins sur un fond de coucher de soleil. Mais bon, moi ça m'intéressait pas. Il y avait des chevaux, il y avait des fleurs. Attendez, je vais regarder. Puis après, je vais vous montrer directement ma toile. Donc, il y avait coucher de soleil avec les dauphins, il y avait les chevaux. Il y avait des fleurs. Alors, je suis en train de regarder en même temps. À mon avis, c'est 30 000 pierres qu'il doit y avoir à poser. Ça doit être ça, les 30 000 qui a marqué. Il y avait une petite cabane au bord de la montagne. Là, c'est les fleurs. Et le dernier, c'est... des fleurs avec un papier. Donc voilà. Alors là, je vais couper 2 secondes et je vous mets en vue haute pour vous montrer le DP en entier. Alors, coucou. Me revoilà. Alors, ouais, ça va pas être pratique. Hein. Je suis désolée. C'est pas pratique. Donc voilà, là, vous avez une vue de l'ensemble. Franchement, elle est trop trop belle et... elle est super bien imprimée, les logos, les symboles plutôt, sont bien imprimés. Il n'y a pas besoin d'avoir de tablette, la toile est de bonne qualité. Bon, juste le bémol, hein, je vais le répéter hein, parce que je vous montre la toile, il n'y a pas les symboles sur les côtés avec les numéros. Mais bon, vu que c'est que des lettres, ça va être simple. Une fois rangé dans le pilulier, ça va être simple dans le pilulier ou dans la valise. Hein. Ça va être simple pour le faire. Alors voilà, du coup on arrive à la fin. Donc du coup je remercie beaucoup la boutique NCG de me faire confiance. J'espère que ma vidéo vous plaira et qu'aura plu à la personne de la boutique.
Et du coup, ben, je vous invite tous à aller commander chez lui. Voilà, gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.